Allora ricominciamo e do la parola a Nandoriola. Recommence, je passe la parole à Nando Riolo. Il me semble que dans cette superbe journée dans laquelle nous avons parlé de psychoanalyse, et ceci n'est pas toujours le cas, il faut le dire, dans la dernière partie de la réunion, il y a deux concepts qui ont surgi, qui, d'après moi, sont importants pour intégrer la question dont on parle. Comme je disais avant à Laurence, le concept de moi idéal, donc le composant moi idéal du surmoi, et le concept, certes, de pulsion de mort, pulsion donc de destruction. Ce matin, dans sa superbe présentation, Laurence Kahn nous a bien fait comprendre de quelle façon il est possible que l'idéal contienne la haine, contienne n'importe quel objet, tout objet, parce que la sublimation peut contenir à son tour n'importe quel but. Il s'agit de processus qui, scientifiquement, Freud, et non pas idéologiquement et non pas moralement, pour lui, ils n'étaient pas accrochés, ils étaient désaccrochés de la conception phénoménologique et sociale. Freud les considérait, ces phénomènes, dans leur nature sociale. Le processus, le premier de la sublimation, un processus plutôt économique, c'est-à-dire le changement, l'inhibition du but, le changement en but d'objet, avec la conservation de toute la force de la pulsion qui appartenait à l'objet inhibé, à l'objet précédent. Cela fait en sorte, il a commencé avec cette foudroyante remarque et considération, la sublimation fonctionne pour des groupes criminels qui, par exemple, partagent une même expérience ou un même projet, ces groupes criminels, et fonctionnent par ou pas pour groupes qui partagent le même idéal. Cet idéal, il peut être tout idéal. La haine peut être aussi un idéal, c'est-à-dire la haine peut aussi devenir objet de l'idéal. D'après cette conception, devient explicable tout ce qui, du point de vue consciencielle, donc la dimension conscientielle, est inexplicable. De comment est-il possible que les expériences racistes avec une telle profondeur, hein, que avec une telle profondeur, Laurence nous a expliqué, ou on pourrait dire, et croisade, ou le terrorisme, ou le phénomène des égorgeurs d'Al-Qaïda, ou les mafieux, pères de famille qui aiment leurs enfants, qui chérissent leurs enfants, qui, après avoir dissous un enfant dans l'acide, ils rentrent chez eux pour soigner leurs enfants et pour s'occuper de leurs enfants. Et le lendemain, ils vont à l'église. Comment serait-il possible si ces gens-là n'étaient que de monstres? Non, dit Freud, ou dirait Freud, non. Ils ont annecté avec leur idéal leur conduite. Ils ont associé à leur conduite l'idéal. Donc la conduite devient un idéal, le fond d'une éthique, une éthique de groupe, une éthique culturelle, une éthique locale, grâce à laquelle non seulement le phénomène qui nous apparaît horrible est justifié et autorisé, mais aussi il est idéalisé
en le posant, en plaçant comme objet de l'idéal, c'est-à-dire la haine à l'égard de la race, la haine pour quelqu'un qui nous a précédés, la haine pour le groupe des mécroyants est permis grâce au fait ou en vertu du fait, parce que c'est l'apaisement d'un idéal. Tout cela, tout ce phénomène ne serait pas compréhensible si on ne considère pas la composant primitif, donc, et qui a été évoqué aujourd'hui, du moi idéal en tant que structure qui n'est pas d'un processus identificatoire par introjection, mais plutôt par un processus d'externalisation ou, si on veut, de projection d'un contenu pulsionnel dans l'objet ou dans les objets, dans les groupes. En quelque sorte, Freud, en plaçant la description de l'idéal comme le meneur, il ne parle pas seulement de dépossession ou d'envahissage de l'objet externe de la part de l'objet interne, mais aussi de cette réciprocité de la colocation de l'objet interne dans l'objet externe. Donc, il y a une version de la réalité qui en découle, qui est fortement complexe et mélangée, où les deux composants s'intègrent, même si elles sont contradictoires l'une avec l'autre, quelquefois, parfois. L'univers des valeurs, l'univers culturel, n'est pas seulement accueilli partiellement, mais il est aussi en bonne partie là où le moi idéal conduit, dirige le processus, elle est moteur du processus. Il y a subversion, il est donc renversé, c'est-à-dire confondre une nouvelle éthique, une éthique congéniale à cette idée. Et puisque le moi idéal ne se contente pas, dit Freud, on a invoqué Schreber, etc., le moi idéal est à l'origine de la psychose. Il ne se contente pas de représenter comme idéal sa propre pulsion. Il veut la trouver dans la réalité comme quelque chose qui existe. Et s'il ne la trouve pas, il la crée, il la détermine. Donc, le moi idéal exige, impose, demande l'action, la construction d'une nouvelle réalité qui soit appropriée, adéquate à sa propre opération. Dans ce sens, je crois que le processus d'identification assume donc des traits très complexes, fort complexes, qui portent d'un côté à l'introjection de la réalité, de l'autre côté vers la création d'une réalité qui, à ce point-là, peut se servir de la raison, de l'éthique, de l'art, de la sublimation et de tête et d'esprit très intelligent, très raffiné, comme Heidegger et Speer, pour construire une conception de la réalité qui soit appropriée, adéquate à la réalisation de l'idéal qui veut trouver dans la réalité sa propre expression. Voilà ce que je voulais ajouter. J'espère avoir été assez clair. Bien sûr, l'autre élément, c'est la pulsion de mort. Il y avait un autre beau couple chez Freud, je voulais dire, à Patrizio, au-delà du couple qu'il a rappelé, qui nous donne un certain vertige, parce que c'est là, élargit la possibilité de voir ces deux comme les deux premiers nutriments de la vie de la nature, l'attraction et la répulsion. Mais il y a aussi un autre couple qu'il tire de Empédocles, Philia et Neikos. Absolument. Ce qu'on appelle la discordia, la discorde, donc.
C'est ce qu'on traduit en termes de lien, liaison ou déliaison. Donc, cette discorde, partage, fracture, divise plutôt. Je m'arrête là hein, pour ne pas trop abuser de votre temps et de mon temps de parole. Merci, Di Maria. La parole passe à Alberto Semi. Je voulais poser une question relative à une situation très particulière. Une question pour Laurence Kahn, mais qui concerne un peu nous tous, c'est-à-dire quelle a été l'épisode, l'histoire des psychoanalystes allemands pendant le nazisme. Une partie, comme juif, ils ont dû partir. Une partie, je sais qu'elle est restée dans l'institut, dans l'école qui a été ensuite formée. Je crois que c'est une question que nous devons nous poser parce que cela concerne nos propres collègues qui sont restés isolés pendant le nazisme. Après, il y a eu aussi des conséquences après la guerre. Donc, ceux qui ont adhéré à ce climat, en partie, ils ont émigré en Amérique du Sud, c'est le fameux courant de Jones. Mais ce qui m'intéresse, ce serait de savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette situation. Comment participait-il à ces événements? Et j'aimerais le savoir hein, et le penser non seulement en termes de deuxième topic idéal, etc., mais aussi en termes de premier topic, c'est-à-dire au niveau du système conscient, c'est-à-dire le fait d'être, comment allier le fait d'être en même temps psychoanalyste et faire partie en quelque sorte de cette école. Ça, c'était un questionnement que je me posais et cela concerne nous tous, là où on vit, alors qu'on vit des situations extrêmes du point de vue politique et donc quand il faut quand même cohabiter avec ça. Je réponds maintenant à Alberto. Oui. Vous pensez aux psychanalystes allemands qui sont restés dans l'institut de Matthias Göring? Oui. Hein, c'est ça? Oui. Ça a donné lieu à un tour de passe-passe absolument terrible au niveau de l'histoire, des mouvements analytiques à la sortie de la guerre, n'est-ce pas? Oui. Puisque... il y a des analystes qui étaient qui étaient restés dans l'institut de Matthias Göring et qui, par un jeu très habile, ont réussi à retourner la situation et de se présenter comme les sauveurs, j'ai envie de dire pour la deuxième fois, comme les sauveurs en étant les fondateurs de l'association. C'est pas l'association, justement, c'est la Gesellschaft de la DPG. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on est une société internationale et qu'en principe, on a des règles et qu'ils auraient dû être entendus à ce moment-là avec la plus extrême attention, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'ils avaient fait à un niveau tout à fait pratique. Comment dire, on ne peut pas non plus purement et simplement considérer que le fait qu'ils soient restés, ils avaient des arguments hein, quant au fait qu'ils restaient et pour essayer de protéger des collègues, de faire en sorte que le tissu institutionnel ne soit pas complètement détruit. Bon, donc on voit très bien comment ont fonctionné leurs arguments et je pense que la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est effectivement qu'il y ait une commission qui les écoute très attentivement sur ce qui a été fait.
Le problème, c'est que ces fondateurs de la DPG qui ont réussi à retourner complètement le courant de l'histoire en leur faveur sont des gens qui avaient eu le soutien de Anna Freud antérieurement à la fin de la guerre parce que Freud s'était élevé contre la pratique analytique d'un certain nombre de leurs opposants. Donc, il y a eu un retournement. C'est très compliqué. C'est une situation très, très compliquée, cette sortie de la guerre, puisque d'un côté, il y a eu toutes les condamnations est trop fort, mais tous les différends de Freud avec un certain nombre d'analystes dont Freud condamnait la pratique, mais qui ont été en réalité extrêmement corrects par rapport à l'Institut Matthias Göring. Et en revanche, à côté de ça, il y a des analystes qui ont été complètement compromis dans l'Institut Matthias Göring, mais qui n'avaient pas, au fond, été frappés par la critique de Freud. Ce qui s'est passé à la sortie de la guerre, on voit très très bien comment il y a eu un mélange entre d'un côté des idéaux et de l'autre côté des pratiques. Tout ça dans un milieu intégralement traumatisé. Donc, je pense que dans une période comme celle-là, il fallait pouvoir écouter en détail ces gens. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit. Hein. La DPG a ramassé la mise, la DPFAU a été considérée, c'est-à-dire la Vereinigung, l'association a été considérée, elle, comme le ramassis des collaborateurs, en quelque sorte, a été expulsée, après quoi elle a réussi à rentrer à l'intérieur de l'IPA après des années de tribulation. Mais je pense que alors ça pose exactement le problème de ce qui s'est passé. Rio 2, c'était quoi? C'était au Brésil, hein. C'était dans la société brésilienne. Oui. Et où, là, on a découvert qu'effectivement, il y avait des analystes qui, eux, avaient carrément torturé. Hein. C'était aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, mais les dénonciations sont venues très longtemps après la fin de la junte militaire au Brésil. Et là, effectivement, enfin, il y a eu un scandale qui a fini par éclater. C'était une situation extrêmement grave, puisque je ne sais pas si vous avez conservé le souvenir que, entre autres, Villechet était à ce moment-là secrétaire général de l'IPA et avait relativement conservé le silence sur ce qui s'était passé au Brésil dans ces années-là. Le président était le président de l'IPA? Oui. Lebovici. C'était Lebovici, absolument. C'était Lebovici qui était président. Et Villechet était le secrétaire général. L'affaire n'a véritablement complètement éclaté qu'au moment où Villechet s'est lui-même présenté à la présidence de l'IPA, c'est-à-dire très longtemps après. Toute l'affaire est ressortie à ce moment-là. Là, je pense que la question du silence, ce que j'en pense, c'est que le silence est le pire ennemi. C'est-à-dire que, en s'appuyant sur le témoignage de Anna Freud à la sortie de la guerre, ont été couverts des inversions de position qui étaient difficilement acceptables et très difficilement acceptables, mais sans que personne ne soit écouté à ce moment-là. Et dans l'histoire brésilienne, dans ce que j'en ai compris, Luisa Hurtubey de Hurtubey avait écrit un très très beau texte sur l'impossibilité d'exercer comme analyste dans ces pays où la junte militaire exerçait. Mais au fond, ce qui est absolument terrible, c'est que à la sortie immédiate, au moment de la chute de ces juntes, d'une certaine façon, le silence a été gardé. Ce sont des sociétés civiles qui ont été tellement mises à mal que tout le monde a peur de toucher à quoi que ce soit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, dans le cas de l'Allemagne, c'est différent, puisque dans la société civile allemande, grosso modo, à part les Mitscherlich
et puis tout ce qui tournait autour de l'école de Francfort, qui s'est très très vite réorganisé dans l'immédiate après-guerre, et les Mitscherlich, enfin bon, je veux dire, ont été des gens tout à fait formidables. Donc voilà, à part ce groupe-là en Allemagne, c'était immédiatement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, sauf qu'il y a eu ce mouvement d'inversion et les Mitscherlich sur cette question-là des responsabilités individuelles, ils ont gardé un relatif silence, c'est-à-dire ils savaient que le tissu social était en miettes, ils le savaient. Alors, ils ont écrit sur le deuil impossible, l'impossibilité de faire le deuil, sur justement les systèmes identificatoires qui perduraient après la chute du Reich. Ils ont écrit sur le destin tout à fait stupéfiant du livre qu'ils ont publié, puisque Alexander Mitscherlich était un des rapporteurs médecins du tribunal de Nuremberg. Et il avait publié, à l'issue du procès de Nuremberg, un livre qui s'appelait Les médecins de l'infamie. Je ne sais pas quel était le titre allemand. Hein. Oui, c'était Les médecins de l'infamie, traduit en français. Et ce livre... En Allemagne, c'était Médecins sans humanité. Médecins sans humanité, voilà, exactement. Et ce livre a été tiré à 10 000 exemplaires. Il n'y a eu aucun compte-rendu de ce livre. Et personne n'a jamais vu sur un étal de libraire ce livre. Et le soupçon des Mitscherlich, c'est que l'ordre des médecins allemands avait racheté la totalité des 10 000 exemplaires. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant du point de vue du silence. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre. Bon, pendant ce temps-là, Mitscherlich, il avait, à la fois avec les sociologues et les analystes, ce petit groupe de Francfort était en train de reconstituer, tant bien que mal, la société psychanalytique allemande. Mais c'est très intéressant parce qu'il a fallu, attendre 1960 pour qu'il y ait une réédition de ce livre, et qu'à ce moment-là, il ait une vraie diffusion en Allemagne. Dans la période entre 1950 et 1960, les Mitscherlich n'ont pas porté plainte contre ce silence. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas porté plainte? Eh bien, je pense qu'ils faisaient partie de ces personnes qui avaient une conscience aiguë du fait que le tissu social lui-même était détruit. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans un grand nombre de pays d'Amérique latine. Le tissu social lui-même était complètement détruit et donc il fallait attendre que quelque chose de ce tissu social se reconstitue pour que les gens puissent se mettre à parler. Votre question, Alberto, elle vaut, j'ai presque envie de dire, en sens inverse, mais c'est le même problème. Quand on dit en France, on a entendu ça, tant et plus, hein, par rapport aux gens qui avaient été déportés, qu'ils n'avaient pas parlé à leur retour. Non, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas parlé, ils ont tout à fait parlé. Simone Veil l'a dit, Robert Antelme l'a dit, ils l'ont tous dit, ils parlaient à leur retour. Mais simplement, le silence de ce groupe social complètement traversé par ses angoisses, sa culpabilité, ses compromissions, parce qu'on refait l'histoire après, mais les compromissions étaient absolument énormes. Le tissu social ne peut pas les entendre à ce moment-là. Et Simone Veil, donc, qui avait été notre ministre de la Santé, Simone Veil le disait très bien. Nous avons essayé de parler et nous n'avons pas pu parler. Antelme dit la même chose. Il y a un texte entier d'Antelme dont Pérec s'est servi dans un très, très beau commentaire où Antelme dit... Ce qu'on nous disait, c'était « ça va passer, ça va passer ». Ne vous inquiétez pas, ça va passer, comme l'orage. Oubliez.
Kertész dit exactement la même chose à son retour à Budapest. C'est impossible de parler, complètement impossible de parler. Donc je pense que cette question, la question que vous soulevez, Alberto, est complètement prise dans ce qu'il advient d'une communauté sociale après de tels événements. Le temps qu'il faut pour que on puisse parvenir à sortir du silence sans craindre de détruire la communauté sociale elle-même. C'est très compliqué, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, j'ai posé la question de l'individu, c'est-à-dire les collègues qui étaient dans l'Institut Göring, il avait une scission, un clivage entre la pratique analytique et la pratique politique, sociale. Mais il ne faisait pas de psychanalyse, Alberto. Ah. Il ne faisait pas de psychanalyse. Oui, là, on est très tranquille de ce côté-là, malheureusement. Je veux dire, il faut voir, il suffit de mettre son nez dans, parce que ça, j'en ai regardé des bouts en allemand, et puis il y a eu cette parution qui était remarquable en 1985 au moment du congrès de Hambourg. Je ne sais pas si ça a été traduit en italien, ici la vie continue d'une manière, etc. Ça n'a pas été traduit en italien, ça c'est extraordinaire. Ça, c'est un texte absolument prodigieux. Les Allemands, les jeunes Allemands, alors il y en a certains qui se sont fait débarquer, hein, qui ont été en particulier renvoyés parce que considérés comme des gauchistes abominables, mais en particulier Dahmer. Mais ce groupe-là, donc, il savait en 85 que le. Il savait en amont de 85, je ne sais pas à quelle date. La date du retour du premier congrès de l'IPA en Allemagne a été fixée. Hein, je ne sais pas à quel moment l'IPA a fixé ça, mais toujours est-il qu'on savait qu'en 85, le congrès de l'IPA aurait lieu à Hambourg. Oui. Et donc, ces jeunes Allemands ont commencé à fouiller dans toutes les archives allemandes. Oui. Et à ce moment-là, ils se sont tout à fait bien rendu compte de la mainmise. Alors, c'est eux qui ont sorti tous les textes, en particulier les textes de Jung. Hein. Ils ont même réussi. Alors ça, je suis tombée sur un article où ils ont montré comment Jung avait fait exactement comme Heidegger. C'est-à-dire qu'il y a deux versions. Il y a la version du moment et puis il y a la version transformée, améliorée, corrigée pour la parution dans les œuvres complètes. Et ce n'est pas la même version. Hein. Donc, c'est exactement le même procédé que pour Heidegger. Donc, ils ont fait remonter à la surface absolument tous ces textes-là et on se rend très bien compte qu'ils ne faisaient pas de psychanalyse, absolument pas. Ils faisaient de la psychothérapie allemande. Et ça, il y a des textes là-dessus, sur la psychothérapie allemande, c'est-à-dire une psychothérapie hygiéniste qui est destinée à faire tenir le peuple allemand dans sa tâche difficile de lutter contre le bolchevisme, etc. Bon, alors même s'ils connaissent bien, il y en a certains qui connaissaient très bien Freud, hein, on s'en aperçoit en lisant les textes, il y en a certains qui connaissaient très bien Freud, qui lâchent la barre aux alentours de 1931-1933, bon, et puis à partir de l'émigration, qui abandonnent complètement la lecture de Freud, mais qui continue encore pendant un certain temps à se parer des outils théoriques. Mais on se rend très bien compte que la finalité des cures, puisque là, il y a des représentations buts, des vraies représentations buts, mais ils ne font pas de psychanalyse. Ils ont des représentations buts à exécuter, ce qui n'a rien à voir. Merci. Ça, c'est ma compréhension des choses. Prima di dare la parola, so che c'è Marina Montagnini che si è messa. Je sais qu'il y a Marina Montagnini qui voudrait intervenir. Si je peux ajouter une chose, la question dont vous venez de parler, Madame Canna et Alberto Semi. No, perché, alors, c'est Patrizio Campanile. Un instant.
Alberto posait une question centrale parce qu'il disait, essayons de voir ce problème du point de vue de la première topic et non pas de la deuxième. Et alors ça, il me revenait à l'esprit que quand en 2009, quand il y a eu le congrès à Berlin qui a marqué la reprise officielle des relations entre les deux sociétés allemandes et l'entrée de la société ex. Oui, la DPFAU, qui est rentrée dans l'IPA aux conditions évoquées par Laurence Kahn, une occasion qui a été fêtée, célébrée avec une fête au siège des deux sociétés. Et comme nos deux instituts romains habitent au même siège, avec un séparé, une cloison, exactement comme nos deux centres de Rome, ah bon? sans vouloir faire, il paraît que oui, sans vouloir trop faire de comparaison, mais là aussi, comme conséquence de conflit, c'est ça la similitude, la conséquence de conflit. À l'occasion du congrès, c'est Lang qui est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a dit dans une session spéciale consacrée à la politique? Il a parlé, il recommence à parler du compromis de continuité. Et ça, c'est un élément intéressant pour prendre en compte le fait que dans le conscience, il peut y avoir des choses qui sont pour eux opposées et que le moi, en réalité, il est en mesure, il est capable de tolérer dramatiquement la difformité, l'inconciliabilité de certaines actions et de certains points de vue. Ça, ce n'est pas le résultat de scissions profondes, de fractures profondes, mais plutôt de divisions au sein du moi conscient. Et je crois que cela est très important, extrêmement important, parce que cela concerne toutes les sociétés, y compris les sociétés psychanalytiques. L'affaire américaine du Sud, comme Laurence Kahn le rappelait, a été un bon enseignement, parce que ceux qui ont été les torturateurs en Amérique latine, une partie de ceux qui ont torturé étaient des élèves des mêmes Allemands immigrés qui étaient du côté des nazis. Et ça, c'est un détail qui n'est pas le moindre, qui n'est pas négligé, parce qu'après l'IPA, Laurence Kahn a rappelé les membres, Jorge Canestri, on peut le rajouter, j'y ai parlé longuement. L'IPA décida, comme chaque église décide, de ne pas ouvrir le conflit, de ne pas entamer le conflit, probablement pour les raisons évoquées par Mme Kahn. On peut le faire seulement quand un conflit ne détruit pas le groupe, mais peut-être pas seulement pour ça, pour ces raisons. Mais Patrizio, dit Alberto Semi, ce que je voulais demander au niveau conscient, et je faisais allusion au concept dont parlait aussi Marina Montagnini. Ces personnes étaient en bonne foi. Ces gens étaient en bonne foi. Je voudrais. Scusate un attimo. Voleva chiedere la parola. Non l'avevo visto. Quelqu'un voulait demander la parole, mais il y avait Marina Montagnini. Je demande à Marina, est-ce qu'on peut rester dans ce sujet? Et comme ça. Tu vas participer après. Et Madame Kahn, c'est à vous de parler ou c'est Nando? Juste dire un tout petit mot, parce que au niveau, je pense que la question que soulevait Alberto, que je comprends beaucoup mieux maintenant, grâce à votre échange avec Patrizio Campanile, au fond, le passage de la seconde à la première topic, ce serait dans votre réflexion, le passage d'un fonctionnement psychotique, gentiment psychotique ou méchamment psychotique, ça dépend, mais d'une scission absolument interne, absolument complète, c'est-à-dire avec un déni
de la réalité intégrale et la poursuite en circuit parallèle d'une activité analytique complètement scindée de la réalité de la persécution, ça, seconde topic, à quelque chose qui, dans la première topic, finalement, serait de l'ordre d'une communauté, non pas de déni, mais justement de compromis. Hein. Oui. Au fond, si je vous ai suivi, c'est ça votre question. C'est ça. Hein, c'est ça. Alors, est-ce que là, on tombe sur la question de... J'ai envie de dire qu'on tombe sur la question du meurtre. Parce que jusqu'où est-ce que la communauté de compromis, c'est-à-dire le compromis névrotique d'une communauté entière, peut fonctionner lorsque par ailleurs les cadavres s'accumulent? Il me semble que là, il y a un véritable problème. Au fond, tant que la communauté de compromis est compromis sous la forme de symptômes, on retombe sur les questions posées par Mme Mounari, tant que les compromis fonctionnent par rapport aux traces d'un meurtre qui a été refoulé et qui fait retour, mais qui continue d'être refoulé et par rapport auquel le surmoi fonctionne comme un point de butée, alors on peut comprendre qu'il y ait une communauté de compromis qui tienne à peu près la route. Est-ce qu'on peut encore parler de communauté de compromis lorsque vous avez Müller-Braunschweig qui se débrouille pour, à la sortie de la guerre, rattraper le flambeau, devenir un des fondateurs de la DPG, en faisant comme si Schulze-Encke était le seul à avoir été compromis pendant la guerre, alors que Müller-Braunschweig avait écrit des textes mais effrayants, dans le Reichswart, mais c'est effrayant. Bon. Or, il s'est débrouillé pour faire que ce soit la DPFAU, c'est-à-dire Schulze-Encke et un certain nombre, qui soient considérés comme les seuls collaborateurs du nazisme. Mais c'était bien plus compliqué à ce moment-là. Et donc là, tout ça sur, je sais pas, un tapis de cadavres, en équilibre sur un tapis de cadavres, et des émigrés allemands, réinsérés aux États-Unis, qui, eux, ont les pires difficultés pour faire admettre une lecture de Freud qui ne soit pas considérée comme une lecture obsolète, rigide, vieille manière, essentialiste, platonicienne. Bon, là, je vous fais grâce de la totalité des adjectifs auxquels ils sont confrontés. C'est-à-dire que les analystes américains passent leur temps à leur expliquer que leur métapsychologie est une métaphysique. Et donc, ils ont le plus grand mal eux-mêmes à prendre position à l'intérieur de la société psychanalytique américaine. Donc, on voit très bien comment la guerre a en fait déclenché des systèmes de scission catastrophiques dans tous les sens. De ce point de vue-là, les nazis avaient gagné la partie. Hein. Ils ont vraiment réussi quelque chose. C'est ça. Bah, vraiment, vraiment, ils y sont arrivés. À mon sens, ils y sont bien arrivés. Très, très bien. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais je voulais revenir très précisément sur cette question-là. Donc, Merci. Non ho capito se Nando Riolo voleva riprendere la parola o no. Nando Riolo voulait reprendre la parole ou pas? Mi era sfuggito. No, perché mi era stato suggerito malamente. No, forse la prima. Avevo semplicemente évocato il termine di. J'avais simplement évoqué le terme de Verleugnung. Peut-être il s'agit pas seulement de refouler. Hein, mais aussi Verleugnen. Une partie ose et l'autre le nie, le renie. Ça pourrait être aussi un mécanisme de scission. Pour d'autres cas, des délinquances, dit Campanile. Oui, la structure de délinquance. Donc la conscience qui
ne se marie pas, ne s'allie pas avec la responsabilité. Reato scrive la trasmissione transgenerazionale dunque. Donc on parle de la transmission transgénérationnelle, écrit Madame Licciarato. On passe maintenant la parole à Marina Montagnini qui voulait poser une question à Enrico Mangini, une question à Madame Kahn. Entre-temps, dit Madame Montagnini, mes idées se sont déplacées complètement en écoutant cette dernière partie de discussion qui m'intéresse beaucoup. Parce que quand l'inconscient dans le secteur conscient de la tête, de l'esprit, il y a des positions opposées qui conduisent à des positions opposées, comme le rappelait le docteur Riolo, l'assassin, qui, le meurtrier qui rentre chez lui comme bon père de famille. Alors moi, je trouvais de l'aide pour essayer de comprendre cette situation, une situation qui évoque beaucoup de perplexité. J'ai trouvé de l'aide chez Matte Blanco et Blazer, si j'ai bien compris les noms. Parce que cette situation d'ambiguïté pour laquelle consciemment on peut recouvrir, jouer un rôle et le rôle opposé en même temps, ça c'est difficile à expliquer dans une métapsychologie freudienne. Donc, j'ai essayé aussi, j'ai puisé aussi à d'autres sources. Mais la question que je voulais poser est la suivante. Pourquoi la masse est tellement voluble? Pourquoi, quelle est la relation entre la masse et l'hystérie? Pourquoi on parle d'hystérie de masse? Est-ce qu'il s'agit d'une situation qui dépend de la succession hypnotique fortement régressive ou, comme le disait le docteur Mangini, le lien ou liaison horizontale conduit par Thanatos dissout le lien entre le frère, la fratrie, mais aussi les liens entre les buts. La question, c'était pour moi, demande Monsieur Mangini. Je ne voulais pas distraire le débat, je ne voulais pas détourner la discussion, discussion très fructueuse sur ces questions sur les sociétés de psychoanalyse. Et ma réflexion pourrait aussi se déplacer vers le fait que les sociétés de psychoanalyse, quelquefois, fonctionnent comme la masse. Et c'est clair qu'on a dit aussi pas mal de choses importantes. On veut aller vers ce sujet qui s'y reste trop spécifique et trop général. Il ne conduit nulle part. Par contre, Alberto avait parlé. Focaliser la question sur les psychoanalystes, sur les analystes de l'Institut Göring, mais peut-être il y a d'autres instituts Göring ailleurs. Donc, je réponds à Marina sur un niveau complètement différent. C'est sûr qu'il y a quelque chose de l'hystérie, mais dans la liaison, dans le lien vertical. Quand Freud parle, c'est quoi le lien de la masse? C'est une certaine sorte de libido. Après quoi, évidemment, l'idéal pour l'hystérie, c'est l'idéal la même qui est très voluble, c'est-à-dire l'hystérie, mais tout le temps, sans arrêt à la preuve, l'idéal. Si les masses étaient hystériques, eh bien, elles ne dureraient que quelques secondes. Mais dans la question de la suggestion et d'avoir ce lien érotique avec l'idéal, je crois que tu as vraiment
mis le doigt sur la bonne question. Là, je ne parlais pas tellement de volubilité, mais plutôt de désagrégation et de fondre comme la neige au soleil. Je voulais plutôt parler le fait de la déliaison, que le lien horizontal n'est pas tellement un lien oedipien, c'est plutôt une déliaison. C'est une question qui n'est dictée que par le fonctionnement thanatologique, avec des illusions qui restent. Donc, cette déliaison reste telle. Donc, tout le monde se sent aimé, a l'impression d'être aimé par l'idéal, mais quand l'idéal s'effondre, aussi la masse se dissout. Donc, il n'y a pas de lien horizontal. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est ce que j'ai élaboré lors de cette contribution. J'ai préparé cette contribution. Roberta voudrait aussi intervenir. Microphone, Roberta. Je pensais qu'il y avait plein de personnes avant moi. Si je peux, je fais un pas en arrière et je reprends quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est vrai qu'on est en train d'ajouter plein de matériel, mais en traduisant le livre de Laurence Kahn, je suis amenée toujours davantage à me confronter avec le fait de comprendre la logique. La logique, c'est quelque chose qu'il est difficile de tolérer, mais aussi la culture nazie, logique de la culture nazie. Alors, comment l'exprimer? Je m'aperçois personnellement que j'avais une vision très liée au... les événements finaux de la montée en puissance et de l'expérience nazie. En lisant, en étudiant de Laurence Kahn, voilà pourquoi je l'interroge un peu. Il me semble tellement important de retrouver toute la logique qui est celle du délit, mais qui est celle de la logique de la culture. Eh bien, ce matin, nous en avons parlé à des mesures, la culture, les questions juridiques. Et maintenant, quand elle a répondu à Alberto Semmi que dans l'Institut, Göring, on ne faisait pas la psychoanalyse, mais on faisait la thérapie aérienne. Donc, en lisant aussi les textes suggérés par Laurence Kahn, pour moi, il y a un tour d'horizon, parce que vous savez, je ne savais pas grand-chose là-dessus. J'ai été obligée de me confronter, de nous confronter avec la logique intrinsèque de cette culture nazie et avec ses présupposés. Donc, et je ne sais plus, ce matin, quelqu'un disait, je crois, c'est Patrizio, que dans cette assise, il y a une certaine raideur ou rigidité, ou le fait de rapprocher Hermann Broch, un excès de rationalité, d'irrationalité. Vas-y, moi, je vais parler. Le paradoxe, la clinique du collectif, on avait dit, de quelle façon on utilise l'outil analytique, c'est compliqué, on le voit, pour avoir une compréhension au moins après coup, de ces logiques qui se sont développées dans le socle de la culture collective. Là, je voudrais réinterroger Laurence Kahn, y compris, tout au moins dans le livre, il me semble comme ça, la question du bios, parce que cette logique est ancrée à une certaine conception du bios et de la nature et à un certain lien très différent
par rapport au lien qu'on partage, nous, de la relation entre nature et culture, parce que le fait de fonder une collectivité sur la pureté de sang et de sol, c'est quelque chose qui a des conséquences sur tout ce qui concerne le collectif, donc sur tous les aspects de la vie politique, à celle artistique, mais aussi jusqu'à la vie religieuse. Je voudrais juste dire une chose. La pureté du sang et l'appartenance à un sol, c'est ce que nous propose l'extrême droite à l'heure actuelle. Hein? Ouais. Je veux dire, c'est sous cet argument-là qu'on est prié de réexpédier les migrants à la mer. Ouais. Et je crois que Matteo Salvini, chez vous, n'est pas en reste de ce côté-là. Hein? Donc, en fait, c'est exactement c'est la question de cette pureté, c'est-à-dire d'une communauté qui réussit à réinstaurer en permanence sa propre pureté, c'est-à-dire son unité. Je crois que c'est toujours autour de sang, même si ça n'est pas dit. Grosso modo, à l'heure actuelle, et on retombe sur ce que Alberto disait ce matin à propos de l'héritage, on retombe sur cet effroyable héritage qui est inscrit maintenant vraiment au fer rouge dans notre mémoire, c'est-à-dire Blut und Boden. C'est vraiment le sol et le sang. Et finalement, ça remonte à tout instant. Alors, moi, j'ai une question à renvoyer. C'est qu'est-ce qui vous fait penser que les masses sont si volatiles ? À la rigueur, Hitler pouvait le craindre parce que l'expérience était récente. Depuis, on est quand même en train de vérifier que les masses ne sont pas du tout si volatiles que ça. C'est-à-dire que vous les déplacez, vous ne changez pas tellement l'horizon historique et vous retrouvez exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on se retrouve à l'heure actuelle, je trouve que la France, pour ça, en ce moment, est un terrain expérimental tout à fait prodigieux. En ce moment, vous vous retrouvez avec des gaullistes, je dis bien des gaullistes, Éric Ciotti est un gaulliste, qui apportent leur soutien à Éric Zemmour. Donc, on est dans une complication identificatoire absolument démentielle. Alors, les journalistes analysent ça en disant « c'est de l'opportunisme ». C'est de l'opportunisme, ils veulent se pousser encore plus à droite pour récupérer une masse d'électeurs. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On ne sait pas pourquoi des électeurs gaullistes accepteraient de fonctionner sur le mode de l'exclusion des étrangers et d'une persécution exercée contre les étrangers à la manière du Front National ou de Éric Zemmour. Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient ça ? Donc, on ne fait que reporter d'un cran la difficulté. Donc, je ne suis pas du tout certaine, personnellement, que les masses, finalement, soient si volatiles. La question que je me pose, au contraire, et là, c'est pareil, on retombe sur toute cette affaire d'héritage qui était évoquée ce matin, on retombe, au contraire, sur une sorte de pérennité qui est tout à fait impressionnante. On change un tout petit peu de braquet et on retrouve les mêmes. Et de ce point de vue-là, quand Freud dit « mais vous savez, il suffit de changer l'horizon et vous allez retrouver le meurtrier très très vite, puisque finalement, les justifications bougeront un peu, l'horizon historique se modifiera un peu, mais le fin fond restera rigoureusement le même », je trouve que ça n'est pas complètement faux. En tout cas, dans l'expérience qu'on fait, il va falloir voir combien de temps ça dure, mais je trouve que dans l'expérience que l'on fait, c'est assez intéressant. On pourrait reprendre la même histoire, par exemple, parce que là-dessus, j'avais travaillé avec la fraction armée rouge, avec la fraction armée rouge en Allemagne. C'est extrêmement intéressant, puisque au départ, ce sont des gens qui luttent contre le silence de la génération d'au-dessus concernant les exactions. On voit comment la guerre du Vietnam
fait émerger complètement une crise interne liée à ce silence, mais il se retrouve en train de faire des exactions qui sont des exactions d'une violence absolue, digne de ce qu'ils critiquent et de ce à quoi appartenaient leurs parents. Donc, cette situation de la volatilité, je ne suis pas certaine qu'on puisse se servir vraiment de cette notion-là. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est, je voulais reprendre l'exposé de M. Ferraro, parce que dans ce qu'il a présenté à propos de cet adolescent, qui est vraiment, ça correspond véritablement au fantasme de cadavre exquis développé par Abraham et Torok, c'est-à-dire l'identification à un cadavre qui est enfermé dans un placard, sur lequel pèse un silence total. Au fond, je me suis dit, alors au plan individuel, mais jusqu'à que ça rejoigne les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, au fond, ce qui se passe au plan individuel, est-ce que ce n'est pas tout à fait emblématique de ce qui peut se passer dans cette communauté d'individus condamnés au silence? C'est-à-dire qu'ils ont... il faudrait repartir à la génération du dessus, on a parlé de transgénérationnel. Ils ont affaire au silence des parents, ne savent pas de quoi il s'agit, et là je parle des individus, mais c'est des individus en masse, ils ne savent pas de quoi il s'agit, et ils se trouvent en train de porter une culpabilité qui n'est absolument pas la leur. J'imagine que dans le cas de ce jeune garçon, si je ne me suis pas trompée, il y a eu avortement d'un fœtus qui était une fille, et en réalité, c'est cet avortement-là qui n'a pas été supporté par la mère, en réalité, dont elle n'a jamais pu faire le deuil. C'est bien ça. Sì, questo è l'aspetto centrale, nodale della questione. Oui, ouais, c'est l'aspect crucial, central de la question. Je partage votre interprétation. Ah oui, moi j'ai l'impression que c'est ça, que la mère, si j'ai bien compris le cas, la mère a procédé à un avortement. Très étrangement d'ailleurs, elle a su que c'était une fille, ce qui est très bizarre, mais elle l'a su, semble-t-il. Et ça, le deuil de cet avortement n'a absolument jamais été fait. Et lui était porteur de ce cadavre-là, c'est-à-dire aussi de la culpabilité de la mère. Très probablement aussi de la culpabilité de la mère. Donc ça, je pense que c'est un biais par lequel on se trouve en train de relier, comment dire, des mouvements psychiques individuels, mais répétés, élargis à une communauté. Ça correspond tout à fait à ce que Mitscherlich décrit à propos de l'impossibilité de faire le deuil, c'est-à-dire l'accrochage à des figures du côté des parents qui contraignent les enfants à faire un silence total sur les questions qu'ils auraient à poser, il me semble. Posso dire una cosa? Est-ce que je peux dire une chose? Oui, moi j'ai fini. Non, c'est Maria mi dà la parola. No, volevo tornare sulla questione della volatilità delle masse. Je voulais revenir sur la question de la volatilité, volubilité des masses ou pas. La questione è che cosa è stabile, che cosa è volatile. Alors, il faut se demander qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui est, par contre, volatile. Donc, il vous est arrivé peut-être de vous trouver à Rome fin septembre. Il y a donc des groupes d'oiseaux qui se réunissent et qui forment des agrégations incroyables, très belles. C'est une sorte d'agrégation d'une beauté violente, puisque ces oiseaux sont éparpillés, ils se réunissent et se rassemblent instantanément d'emblée dans un groupe qui forme une image, qui forme un ensemble. Ils tournent
à zigzag et ils font des, disons, des architectures et après ils partent. C'est quoi l'élément de volatilité? De volatilité, c'est le fait, comme Enrico le disait, que dans la mesure dans laquelle il y a le sommet qui agrège, qui manque, la masse peut se séparer et peut s'éparpiller. Mais dès que l'occasion est là, la masse se retrouve sur un nouveau point de repère, sur une nouvelle référence, sur un nouvel idéal. Mais parce que l'élément constant et persistant n'est pas donné seulement de l'objet que chaque fois est choisi comme idéal, mais aussi de la nécessité qui est dans notre constitution psychique de produire ces mouvements. Donc, cela aussi pour la nécessité de trouver des occasions pour exprimer une destructivité. Et Laurence Kahn en parlait ce matin, il faudrait y revenir sur la relation entre narcissisme et pulsion de mort pour que la destructivité puisse émerger, mais ce n'est pas le moment de le faire. Mais aussi, et là, je reviens à ce que je disais avec mon intervention, aussi une nécessité d'alterner l'agrégation à la disgrégation. Et dans la mesure où on reproduit l'occasion pour réorganiser l'agrégation, eh bien, la voilà qu'elle réapparaît, sauf, comme le disait Enrico, dans le cas où il y a chute de la référence et alors la masse des oiseaux s'éparpille partout. Si je peux en rajouter, je suis d'accord avec toi, Patrizio, mais rappelons-nous que Freud fait une spécification, c'est-à-dire une différence importante autour des masses artificielles, c'est-à-dire l'Église et l'armée. Ce sont des masses qui restent et perdurent comme telles. Mais c'est quoi qui reste comme telles? Ce n'est certainement pas le général ou le pape, parce qu'en italien, on dit « morto un papa, ce n'est pas un altro », c'est-à-dire une fois que le pape est mort, on en fait tout de suite un autre. Donc, c'est l'institution qui subsiste, qui résiste. C'est l'idée de l'institution. Et là, effectivement, il y a le problème théorique et très intéressant. Et ensuite, se rapproche à ce que Madame Kahn disait. Il y a des masses, une pérennité des masses, donc même si elles sont toujours fragiles, si du point de vue des liens, des liaisons authentiques entre les membres, il n'y a pas des liens érotiques, en quelque sorte, mais il y a quelque chose qui les lie par rapport à l'idéal de l'amour qui reste. Eux, ils ont la chance d'avoir l'idéal de l'amour qui reste, qui subsiste, c'est-à-dire l'idéal de l'Église, de l'armée, etc. Et là aussi, c'est une question sur laquelle nous, en tant qu'analystes, il faudrait se confronter. Parce que d'après moi, nous, en tant qu'analystes, il faut aussi se demander, je voudrais ouvrir avec une question générale, nous, comme institution, nous aussi, nous sommes une institution, nous sommes donc, il y a un idéal qui gouverne nos institutions. Première question, et c'est quoi cet idéal? Deuxième question, est-ce que nous sommes tellement sûrs qu'à l'intérieur, au sein de nos sociétés, il y ait des possibilités de penser créatrice, créative, y a-t-il la possibilité du conflit? S'il y a quelqu'un qui pense de façon différente avec ses arguments, ce n'est pas que peut-être que ce quelqu'un est peu accepté par le groupe, par la masse. Je crois que là aussi, ces sujets sont importants. C'est important d'en discuter.
On est tous d'accord sur les exemples qu'on a fait jusqu'ici, l'Institut Göring, etc. Mais nous avons aussi nos réalités à nous qu'il faut pouvoir prendre en compte et considérer. Marina Montagnini voulait aussi parler de cette volatilité, donc volubilità en italien. Oui. La chose suivante, les buts de la masse reviennent périodiquement dans l'histoire humaine de façon incroyablement pareille. Il suffit de penser à l'antisémitisme. Combien de fois dans l'histoire humaine des hommes, il y a eu des masses qui se sont agrégées autour de ce but. Mais dans la période la plus récente, la masse a des buts qui sont rapidement changeantes, c'est-à-dire le dimanche des ramiers, après il y a la crucifixion quelques jours plus tard. Donc je voulais souligner cet aspect de la volatilité. Je me demandais si ce composant de Thanatos dont parlait le docteur Mangini puisse facilement dissoudre non seulement les liens entre les membres de la masse, mais aussi entre les individus et leur but, même si ce but va réapparaître dans l'histoire. On a dit que la Shoah, une fois qu'elle s'est passée, seulement pour le fait d'avoir apparu dans l'histoire, elle pourrait facilement revenir. Lucia Reato voulait aussi poser une question. Grazie. Dunque, io vorrei proporre in realtà una riflessione. Je voudrais proposer une réflexion. Questo un punto, una riflessione forse un pochino diversa. Une réflexion un peu différente. Je me demandais si à propos de ces phénomènes très approfondis et qui nous questionnent âprement le problème des masses, la relation entre l'individu et la masse. Peut-être qu'on pourrait utiliser aussi un modèle un peu différent, c'est-à-dire je pensais à cette relation de l'individu avec la masse avec laquelle il s'identifie ou il se fonde plutôt que de s'identifier pour ressortir comme individu avec des modalités différentes. Et on se demande quelquefois, ce passage, il se passe comment? Eh bien, je voudrais réfléchir justement sur ce passage, par exemple, une pensée qui concerne notre mode de fonctionnement, pensée de fonctionnement, un mode de fonctionnement qui est soumis sans arrêt à une dynamique de progression, mais aussi à des moments de régression partielle. Je fais allusion d'un côté, face à des situations potentiellement traumatiques qui, en quelque sorte, sollicitent la difficulté de trouver une façon pour affronter la réalité. Il peut y avoir mobilisation de cette tendance qui prévoit des moments de régression, mais aussi des moments qui renvoie à nos composants évolutifs. Il y a la relation avec la figure maternelle ou paternelle. Il y a une partielle indifférenciation. Alors, je pense à ça. Par exemple, en pensant à certaines remarques de Ferber, in tempi più recenti, ad esempio, da Blatt, un peu plus récemment,
à propos de cette dynamique pour laquelle il y a des moments partiellement régressifs qui permettent ensuite de procéder. Quelquefois, j'appelle ce fonctionnement comme la possibilité de vivre une régression bien tempérée. Je fais allusion à Bach là, permettant ce processus, permettant cette modalité processuelle. Et là, je crois qu'on peut entrevoir la possibilité fonctionnelle de vivre une indifférenciation partielle pour rechercher les modalités du miroitement avec l'autre, en faisant allusion aussi à la perspective évolutive pour se retrouver dans les phénomènes des groupes, dans les phénomènes des adolescents. Ce sont des moments de régression partielle permettant la progression. Et ce que je retrouve dans ces régressions partielles, cela peut être un élément complexe. Par exemple, Ehrlich, qui a étudié de façon approfondie ces éléments en parlant de la formation de l'identité, et la situation peut devenir traumatique. Il a beaucoup parlé des traumatismes et là, ça devient traumatique quand il n'y a pas le renvoi du social ou le social n'est pas tel à pouvoir fournir. Je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien en italien. Ah, voilà. Ce phénomène que j'appelle rispecchiamento, miratement. Lui, il pose cela comme à l'origine d'une situation de panique. Et je me demandais ça parce que cela pourrait donner une perspective particulière dans l'étude de ces phénomènes. Et cela peut nous renvoyer à la question de l'identité, donc l'identité de ces phénomènes. Je n'entends plus rien. Voilà. Ecco, questo può reggere questa dinamica un'identità ben formata. Donc, une identité bien formée peut supporter cette dynamique. Et on revient au problème de la formation de l'identité. Ce sont des réflexions qui ont été fortement sollicitées par les discours qui ont précédé. Merci. Laurence Kahn si est inscrite. Oui, je pense que Madame voulait parler. Mais je pense qu'il faut pouvoir donner une suite à l'intervention de Madame Reato. J'avais levé la main, mais peut-être que ça se rejoint par rapport aux questions qui venaient autour de la volatilité ou non des foules. C'est une question qu'on a en fait traversée à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un moteur qui est stable et des objets qui varient. Je me dis que quand Hitler dit « le seul élément stable de la masse, c'est la haine », c'est la seule chose qui soit stable, je pense qu'il dit quelque chose d'extrêmement fort à ce moment-là. Et il ne le dit pas une fois, il le dit dans d'innombrables discours. C'est-à-dire qu'il a parfaitement perçu que la zone qui permet à la masse humaine de se tenir ensemble de cette manière-là, ça va être la haine. Alors, effectivement, il va y avoir dans les systèmes de dédommagement communautaire, donné par la communauté, et là je vous suis tout à fait, il me semble qu'il y aura effectivement des moments de régression, des moments de progression et de récupération des idéaux culturels, puis à nouveau des moments de régression, et la création finalement d'une identité qui est mouvante,
qui n'est pas rigide, qui n'est pas... Et on se retrouve avec des problématiques adolescentes. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand Hitler dit « le seul élément stable de la communauté, c'est la haine », lui, il touche quelque chose qui est très, très en deçà, je dirais. Il est beaucoup plus proche de Freud et de la représentation que Freud a de la primitivité. Il dit exactement cela, c'est-à-dire « à chacun de nous, il y a un meurtrier et quoi que nous fassions, nous aurons à nous débrouiller avec ce meurtrier en nous ». Ça, je pense que c'est quand même assez important. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à l'idée que la masse est totalement compacte, dans Psychologie des masses, il y a une nuance qui est assez intéressante, puisque à un moment donné, Freud dit quelque chose comme « en fait, le moi, ça n'est pas vrai que le moi est totalement absorbé par l'identification au meneur. Le moi conserve souvent une part de sa capacité de se satisfaire lui-même individuellement. Et ça, cette capacité est une capacité qui lui vient de la période antérieure. » Et il continue en disant « mais ce n'est pas un obstacle pour le meneur, pour le leader, ce n'est pas du tout un obstacle. Au contraire, ça facilite le système identificatoire. » Alors, je suis passée sur ce texte une fois, deux fois. Bon, Freud disant que, au fond, cet homme est comme les autres et donne l'impression d'une force et d'une liberté libidinale plus importante. Du coup, simplement, la masse s'oriente vers lui plus aisément. Mais Adorno, encore lui, à quoi bon, mais quand même, Adorno relit Freud, et à ce moment-là, il dit mais Freud a une idée très, très importante qu'il ne faut absolument pas abandonner. Il dit Freud a compris comment peut se fabriquer une sorte particulière de grand homme qui est un grand homme ordinaire. En fait, le terme anglais, parce que c'est un texte qu'Adorno a écrit directement en anglais, c'est « a great little man ». C'est un grand petit homme, je ne sais pas comment on peut le traduire autrement. C'est-à-dire que le leader peut être auréolé de la toute-puissance des hautes figures parentales projetées sur lui, avec toute la dimension de suggestion, etc., qu'on a pu évoquer. Et en même temps, chacun peut se reconnaître dans ce petit homme. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement cette haute figure du père, de cette haute figure paternelle. En même temps, il est un homme comme tous les autres hommes, pas plus, pas moins. Et il dit, alors à ce moment-là, il est simplement, et ça c'est ce que dit Freud, un agrandissement de ce que chacun est. Et il dit, Adorno conclut en disant, en réalité, c'est ça qui permet de réaliser un véritable miracle social. C'est le terme qu'il emploie, un véritable miracle social, puisque l'image du meneur satisfait le double désir de son partisan, se soumettre à l'autorité de cette haute figure parentale et en même temps être soi-même l'autorité comme ce grand petit homme. C'est-à-dire qu'il y a, c'est complètement à double entrée. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. C'est-à-dire de ne pas avoir l'idée que la masse est simplement organisée avec, au plan vertical, ou plutôt ça recouvre complètement ce qu'a dit M. Mangini. C'est-à-dire que verticalement, il y a bien un Führer qui est au sommet de la pyramide, mais il se trouve que la même personne appartient au plan horizontal, la même personne appartient au plan horizontal. Je sais que c'est quand j'ai entendu l'exposé de M. Mangini
que je me suis dit, mais en réalité, ce que Adorno décrit à ce moment-là en relisant Freud, et c'est Adorno qui a attiré mon attention sur l'importance de cette remarque, c'est cette idée-là que le leader qui réussit est un leader qui se trouve exactement à la croisée de l'axe vertical et du plan horizontal. Il appartient aux deux éléments. Je ne sais pas si c'est recevable pour Enrico Mangini comme lecture, mais je crois que c'est assez important d'avoir en tête que cette extrême violence est tout en fait de mouvements à la marge où la libido revient, où les cases, les systèmes de séparation, les définitions ne sont jamais pour le coup avec des frontières extrêmement fermes. Ça bouge sans arrêt et c'est cette mobilité-là qui en réalité permet à la masse de se reconstituer absolument en permanence. Alors effectivement, avec cette dimension de volatilité, bon, ça j'ai très bien compris ce que vous vouliez dire avec votre volatilité, Patrizio et Alberto, c'est-à-dire comme les vols d'oiseaux, ça se réunit, puis ça se redisperse, puis ça se réunit, puis ça se redisperse. Cela dit, quand ils se réunissent, quel est le moteur ? Quel est le moteur commun ? C'est-à-dire, quel est le système de projection mis en commun ? Puisqu'il y a les deux, il y a l'identification, mais il y a aussi, ne pas oublier, la projection du paranoïaque quand même, hein, qui est tout à fait là, et que Freud développe quand même parfaitement dans Malaise. La foule, elle est aussi constituée de ça. Hein. Ma ti ringrazio molto perché quello che hai detto arricchisce assolutamente il mio pensiero e aggiunge. Merci beaucoup parce que ce que tu viens de dire enrichit ma pensée et ce détail de la croisée donc me semble être fort intéressant. Penso che siamo arrivati quasi. Eh bien, on est arrivé aux salutations presque. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait s'exprimer? Diciamo che è stato talmente intenso, ricco. C'était tellement intense. Oui, très. C'était riche, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je lis un message de Maria Isabella Spinelli. Merci au Centro Veneto pour la journée danse et Madame Akana pour sa rigueur, sa passion et sa densité. Donc, elle a incroyablement bien transmis. Merci pour votre générosité, Madame Akana, aussi dans le débat, dans la discussion. Oui, enfin, je veux moi remercier la générosité du Centre Vénitien de Psychanalyse hein, qui m'a permis de travailler comme ça une journée entière. C'est pour moi, c'est extrêmement précieux parce que j'ai été confronté à des questions très solides. Et voilà, je repars avec plein de biscuits et de quoi redémarrer le travail. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Bon, allora, io passo la parola a Patrizio. Se si è arricchita lei, immaginiamoci allora, noi. Madame Kahn, se vous vous êtes enrichi, imaginez-nous qu'est-ce qu'on a pu s'enrichir de votre générosité. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important et assez extraordinaire. Donc, merci tout d'abord à Laurence Kahn pour
ce superbe travail qu'elle a fait avec nous. Merci à tous les participants, à tout le public. Merci à notre traductrice. Merci à vous qui a travaillé toute la journée, un travail épuisant. Merci à Matrix, Madame Elisa, votre service technique. Je crois qu'il faut être reconnaissant pour le travail des membres de l'exécutif du centre de psychanalyse de la Vénétie. Donc, c'est inépuisable le travail qu'ils font et dans ce cas, donc, un travail couronné de succès et des efforts couronnés de succès. J'espère que nous aurons d'autres occasions. Nous aurions dans le chantier un centenaire pour l'année prochaine. On va voir si on arrive à organiser l'initiative. Merci à toutes et à tous. Merci à Laurence Kahn. À la prochaine. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Grazie, grazie. Grazie. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Alors, comment je quitte? Come esco? Oh, je quitte. Bonne question. Bonne question, giusto? Voilà, c'est bon. Live.